Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes à la Villa de Thor à Dehaan et je vous parle de Knokke, donc direction les cuisines. Alors, l'aile de raie, on le sait, hein, souvent fait au beurre avec des câpres. Et là, on va faire une autre type de recette, c'est qu'on va lever notre aile de raie. Donc regardez, on part en fait de là. Et puis on va suivre ce gros cartilage. On va s'en séparer, c'est comme un gros os. Ici, on va venir inciser sans aller jusqu'au bout, de façon à pouvoir ici lever. Vous n'avez vraiment plus qu'à glisser le long. Voilà. Et là, on a une aile de raie, comme ça, qui est bien levée, bien droite. On plie les feuilles de papier en quatre. On coupe un arrondi et on obtient un cercle parfait. Ce cercle, on va venir le poser dans le fond de la poêle. Courgette jaune, citron vert, courgette verte, citron jaune. On va venir avec une cuillère d'huile d'olive et puis on va faire des tranches. Alors, on les veut pas trop grosses, pas trop fines. Et puis on va monter une petite rosace. On change, on prend la verte dans le centre cette fois-ci. Regardez, votre aile de raie, on va la déposer comme ceci. On ne va pas dépasser des morceaux de courgette. Et on recommence la même chose sur le dessus, comme un sandwich. Voilà, on termine avec de nouveau le petit filet. Poivre et puis le sel. Donc on va mettre notre raie au four pendant 10 minutes à 160 degrés. Et aujourd'hui, on vous fait découvrir des endroits de rêve à la côte belge. Ça se passe à Knokke East. Si l'hiver est prétexte à flâner et faire du shopping dans les nombreuses boutiques de Knokke East, quelques madeleines de Proust nous reviennent vite à l'esprit. Redécouvrir le Zwin et ses promenades nature, se promener dans les dunes balisées ou retourner simplement aux racines de ce qui nous a amené un jour sur l'une des 5 plages de Knokke, de East au Zoet. On va venir terminer la couleur, mais la couleur gustative, avec déjà les zestes de citron vert et puis maintenant les zestes de citron jaune. Libre à vous de changer ce que vous voulez, les légumes, le poisson, créez vos propres recettes et venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour les partager, Facebook et Instagram de Martin Bonheur bien sûr. Et pour préparer vos voyages et continuer à rêver à la mer, ben rendez-vous sur le site lelittoral.be. En attendant, je vous souhaite belle découverte en cuisine et je vous dis à très bientôt.